بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بجميع متتبعي هذه القناة، مرحبا بجميع المعجبين بهذه القناة، مرحبا بكل مستفيد ومستفيدة من الدروس التي نقدمها عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à téléphone de ma chaîne. J'espère toujours que vous allez toujours très très bien. Comme d'habitude, je suis revenu ici pour vous présenter une nouvelle leçon. Toujours, c'est une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est la didactique de la lecture 4e année enseignement fondamental. Il s'agit de la séance numéro 2, texte numéro 1. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Didactique de la lecture. La discipline de la lecture, 4e année enseignement primaire, fondamental, hein, primaire ou bien fondamental. Bien, la séance 2, j'ai déjà présenté la première séance. J'ai expliqué les étapes de la leçon. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième séance avec le même texte numéro 1 et on va essayer d'identifier les étapes de cette discipline. Alors, grand 1, approfondissement du texte. Approfondissement, ça veut dire approfondir. Hein? Approfondissement du texte. Alors, premièrement, l'étape 1, le mahala l'ouf. Alors, durant cette étape, il s'agit d'un rappel des acquis. Puisqu'on a déjà vu la première séance, hein, on a vu les étapes de la première séance, alors avant de commencer la deuxième séance, il faut faire un rappel des acquis. Est-ce que les élèves ont bien acquis le contenu de la première séance, hein, etc. Le rappel des acquis de la première, de la séance précédente, ça veut dire la première séance numéro 1, hein, le professeur pose des questions aux apprenants pour vérifier le degré des acquis de la séance précédente. Alors, pour s'assurer de la compréhension de la première séance, c'est grâce aux questions que le professeur doit poser aux élèves pour vérifier et pour contrôler l'acquis de la première séance. Toujours, on pose des questions pour s'assurer de la compréhension. Si les élèves n'arrivent pas à répondre, donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas durant la première séance. Ça veut dire qu'il y a des lacunes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le maître doit revoir sa méthode, doit revoir les étapes de l'explication, etc. Bon, la séance précédente, des questions sur le thème. Les questions que le professeur va poser, ce sont des questions sur le thème. Hein, le thème. Hein? Les personnages, les actions, leurs relations. Voilà les questions que le professeur va poser à ses élèves. Sur le thème, sur les personnages, sur les actions, sur leurs relations. Voilà le rappel. Alors, si le professeur arrive à s'assurer que les élèves ont bien répondu à ces questions, c'est qu'il s'agit d'une bonne compréhension de la première séance. Il a le seul. Il a le seul. Il a le rappel. Passons à l'étape 2. C'est la lecture magistrale. Quand on dit la lecture magistrale, c'est la lecture des professeurs. C'est la bonne lecture, c'est la lecture expressive pour donner un modèle aux élèves. Toujours, les élèves imitent leurs professeurs. Ils essaient toujours de faire ce que le maître fait. Hein? Donc, le maître doit être attentif durant cette lecture. Ça veut dire donner un modèle, un meilleur modèle de la lecture à ses élèves. Le professeur relit le texte d'une manière expressive. Voilà. De façon expressive.
hein, en respectant les signes de ponctuation, en lisant à haute voix, etc. Et je suis retrouvé avec les apprenants les difficultés. Donc, il essaie de retrouver avec les apprenants les difficultés. Sur le bas, unité de sens du texte. L'unité du sens du texte. Voilà, une bonne idée que le maître doit lui donner une grande importance. L'étape 3, donc la lecture magistrale, elle ne dure pas beaucoup de temps, hein, 2 minutes, etc. L'étape 3, je comprends. Afhem. Mada afhem? Afhem, l'qita. La lecture. Faire lire les élèves unité de sens par unité de sens. Les élèves doivent lire hein, le paragraphe unité de sens par unité de sens. Donner une grande importance à la lecture des élèves. Ce sont les élèves qui lisent. Après avoir présenté une lecture expressive, meilleure, moderne, on commence à donner la priorité aux bons élèves de lire hein, pour le. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs de la classe, ils prononcent bien, ils lisent à haute voix, etc. Puis les moyens et après les faits. Leur demander, voilà, unité par unité de sens, et je termine l'explication. Leur demander, hein, le professeur demande aux élèves de répondre à ces questions. Du manuel, ce sont des questions qui se trouvent sur le manuel. Leur poser d'autres questions sur le détail. Donc, il y a des questions à poser aux élèves qui se trouvent sur le manuel, selon le niveau de la classe, selon le degré d'acquisition et selon la période de l'année. Le début de l'année, ce n'est pas comme au milieu de l'année, ce n'est pas comme la fin de l'année. Donc, il y a un progrès. En plus, il peut poser des questions sur le détail, ça va assez, du texte, le détail du texte, ou sur un aspect linguistique. Un aspect le linguistique en rapport avec ce type de texte. Le type de texte, et c'est un texte descriptif, narratif, etc. L'étape 4, je consolide. Vous voyez les étapes. Hein? La première étape, un rappel de la leçon de la séance précédente. La deuxième étape, la lecture magistrale. La troisième étape, je comprends. Et maintenant, je consolide. Je consolide mes acquis. Dans cette étape, le professeur va faire travailler les apprenants. Il va faire travailler les apprenants qui ont encore des difficultés en lecture. Dans cette leçon-là, c'est quoi la consolidation? D'un. Donc, donner une grande importance aux élèves qui ont trouvé une difficulté en lecture. Ils ne savent pas lire, ils ne prononcent pas bien, donc c'est le rôle du professeur en lecture. Pour les autres, elles peuvent passer. Alors, j'ai dit, au moment où le professeur s'intéresse aux élèves qui trouvent une difficulté en lecture, donc, elle est en relation avec ces élèves-là. Alors, que font les autres élèves? Ils vont rester bras croisés? Non. Ils peuvent passer en coin de la bibliothèque. Ça veut dire ils vont à la bibliothèque pour lire des textes. Pourquoi? Parce que ce sont des bons élèves, ce sont des moyens élèves. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont relire, ou bien ils vont lire des textes au coin de la bibliothèque. Au coin de la bibliothèque pour la lecture plaisir. C'est une lecture plaisir. C'est pour enrichir leur vocabulaire. Lire une histoire qu'ils ont apportée, ou bien ils vont lire une histoire qu'ils ont apportée avec eux dans leur cartable, ils ont apporté avec eux, ou faire un exercice de reconstitution du texte. Ou bien ils vont faire un exercice de reconstitution. Reconstituer le texte. Alors, ou bien j'enrichis mon lexique. J'enrichis mon lexique. J'enrichis mon lexique.
بمعنى اغنيه او جونغيشي سي لو كيل اونغيشي اغناء اغناء المعجم اللغه دونك سي 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 كونسيني سور لو مانيوال كو ليليف دوا فير لو بروفيسور اكسبليك لا كونسين فوالا دونك لو بروفيسور فوا اكسبليك لا كونسين التعليمه aux aînés leur demander de faire l'activité individuelle. Imagine c'est tout maintenant de faire l'activité en un chic à aller, il y a la consigne, mais je dirais que le ouais, il y a tellement d'un chic, individuellement, chacun, cinq activités, un chic à aller, ou un achat à leur permet d'acquérir la notion du champ lexical. Leur permet, imagine c'est à l'aller, on, bah, accessible, ou un fond, ديال الحقل اللغوي لو شون ليكسيكال دونك ابي لو رول دو بروفيسور دون لا كلاس il s'intéresse aux élèves qui sont faibles qui ont des difficultés de prononciation de lecture mais les autres ils vont passer au coin de la lecture de la bibliothèque pour relire des textes des histoires qu'ils ont apportées avec eux ou bien pour faire un exercice sur le manuel ou bien pour enrichir le lexique. Bon voilà, je termine. Alors j'ai dit leur permet d'acquérir, ictisser, d'acquérir la notion, le fond, le haqm, le gawm, ou lexique thématique, ou bien le lexique thématique. Alors mise en commun et correction de l'exercice. Alors l'exercice que le professeur a expliqué aux élèves, alors mise en commun et correction de l'exercice. Va passer à l'exercice, à la correction de l'exercice pour ne pas laisser de la lacune. Pourquoi? Parce que Timéline, donc je n'ai rien fait. Donner un exercice, donc passer à la correction pour voir la réponse. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'il y a des lacunes à remédier en même temps? Parce qu'on est dans l'état de consolider. Donc il faut consolider avant de passer à un autre texte de lecture. Notabilité, NP, quand on dit NP, ça veut dire notabilité. Suivre la même démarche, pour les textes de la deuxième séance de la séquence. Suivre la même démarche pour les textes de la deuxième semaine de la séquence. La séquence, on a un langage à celle. Si vous voulez l'ouvrir, c'est deux textes. Si vous voulez l'ouvrir, c'est deux textes. دونك نتبعوا نفس المرحله نفس الطريقه اللي استعملناها في لا بريمير سيونس نعاودوا نستعملوها في لا دوزيام بوكوا باسكو سي تي ميثودولوجي دو لا ليكتور اون بليس كونسيرنون لو مانيوال دو ميز ابرونتيساج اون بارل دو مانيوال دو ميز ابرونتيساج ا ليكول فوندامونتال سا فيغ ا ليكول بريمير سيو 3 سيو 4 سيو 5 سيو 6 بون فوالا la deuxième séance de la lecture. J'espère que vous avez bien bénéficié de la méthodologie de cette activité de la lecture. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de la didactique de la lecture deuxième séance. Bon courage, bonne réussite. N'oubliez pas toujours de s'abonner dans ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons nouvelles. Aussi, je voudrais bien commenter pour m'encourager à continuer à vous présenter d'autres leçons prochainement. Au revoir et à la prochaine vidéo.